Bonjour à tous les amis, pour ceux qui ne me connaissent pas, vos grands-mères les djellabas, qui mettent des coups francs comme à là-bas. Bon les amis, sur la vie de ma mère, le classico, voilà, c'était pas un classico hier, c'était une claquette. Voilà, 0 à 0, match nul, nul, vraiment bidon. Pour les Parisiens, pour les Marseillais, voilà, c'est une grande victoire. Vos grands-mères qui s'appellent Victoria, voilà, je suis trop content les amis. Oh la vie de ma mère, c'est quoi les Parisiens qui nous chambrent tout le temps? Vos grands-mères les chambrent, voilà. Vous êtes sérieux ou quoi? Tout le temps ils nous chambrent. Vous avez vu vos joueurs, frère? Thiago Moutarde, voilà. Oh le mec, un pot de moutarde à lui tout seul, il est bidon. Pas que Thiago Moutarde, hein. Cave à nul, frère. Oh, une cave à vin, le type, sur la vie de ma mère. Oh, ta grand-mère, elle est née dans une kermesse, toi. C'est pas possible, frère. C'est pas possible. Le mec, il est à 50 cm des cages. Oh, il t'a mis un plat de la cheville. C'est la première fois que je vois ça. D'habitude, je vois les plats du pied, extérieur du pied. Un plat de la cheville. La vie de ma mère, je sais pas comment il a fait. Ta grand-mère qui fait la chenille. Oh là, c'est un truc de malade. Donc, trop content pour les Marseillais. Ce que j'ai aimé, oh là, Rudy Garcia. C'est plus Rudy Garcia, les amis. C'est Rudy Gracias. Oh là, gracias, mon pote. Merci, mon pote. Directement, Rudy Garcia, il est venu, premier match. On l'a vu dans l'organisation, on l'a vu, frère. Et moi, je suis trop content. Ça m'a rappelé José Mourinho avec l'Inter de Milan quand ils ont joué contre le grand Barcelone à l'époque. Samuel Eto'o, il avait joué arrière-gauche et s'était sacrifié pour son équipe. C'est ce qu'a fait Thauvin, c'est ce qu'a fait Gomis. Bien joué, les gars, sur la vie de ma mère, bien joué. Voilà. Et là, la presse, il se moque de nous. Il se moque des Marseillais. Zéro tir cadré. Mais vos grands-mères, vous croyez que c'est un jeu? Lui qui cadre et il gagne, on s'en bat les couilles, frère. Faut marquer, on s'en fout de cadrer. Et en plus, la vie de ma mère pour une fois. D'habitude, l'OM, ils mettent 2-3 buts, ils touchent le poteau, penalty, nanani et tout, ils mettent le feu, ils perdent. Là, l'OM, ils ont pas tiré une fois, ils ont pas perdu. Vos grands-mères, les victoires, voilà, ça fait plaisir. Sur la vie de ma mère, pour moi, c'est une grande victoire, voilà. On est parti au parc, là, c'était le parc des princes, oui, mais le parc des biscuits, les princes de Lu, voilà, frère, que des biscuits, les malades, les amis. Donc voilà. Et en parlant de ça, Canal+, ils sont là, les commentateurs, ils étaient là, ils se moquaient de Marseille pendant le match, toujours à clasher l'OM et tout. Mais Canal+, ne parlez plus football, voilà. Déjà, vous avez plus aucun droit, vous avez plus aucun match. Sur Canal+, il n'y a plus rien, frère. Vous avez le championnat écossais, mais vos grands-mères qui sont en Écosse et qui bombent le torse. Vous êtes sérieux, quoi? Le championnat écossais, je savais même pas qu'il y avait un championnat là-bas. Je croyais qu'ils faisaient que des concours de claquettes ou de... Je sais pas, sur la vie de ma mère, vous êtes des fous. Donc ça fait trop plaisir les amis, premier match de Rudy Garcia et on l'a vu, Thauvin, sur la vie de ma mère, bien joué mon pote. Même si à un moment, Thauvin, t'as voulu faire une virgule, t'as fait une parenthèse, voilà, ou un point d'interrogation, je sais pas ce que t'as voulu faire. Je sais pas, sur la vie de ma mère, à croire que t'as failli te péter la cheville en plus, mais c'est pas grave. La vie de ma mère, Thauvin, tu t'es battu une fois de plus. Lassana Diarra, Lassana Diamant, voilà. On l'a vu contre Verratti, il était là, il a pas laissé passer. En parlant de Verratti, frère, on a vu Chi, vos grands-mères, les Ferrari, qui verront Chi. Voilà qu'on a vu Chi, le mec, il est là, une ancienne femme, une majorette, t'es sérieux ou quoi? Avec ses petits yeux bleus, son petit nez, frère, on dirait un petit poussin, on dirait un petit moineau, voilà. Le mec, il est là, Verratti, on a vu Chi une fois de plus. Et Atem Ben Arfa, merci à Unai Emery. Déjà que Unai, c'est le nom d'une prise de judo. Voilà, ta grand-mère le judo qui boit du judo. Voilà, donc le mec, merci à Unai. La vie de ma mère, merci. Mais Ben Arfa sur le banc tout le match. Merci beaucoup, frère. Voilà, Ben Arfa, il est rentré 5 minutes. Il a commencé à faire des passements de jambes. Il a dribblé tout le monde. Heureusement qu'il est rentré qu'à la fin. Disons merci à l'entraîneur du PSG, cette grosse folle. Voilà, et les supporters du PSG, ils sont là. Retour des ultras, retour des skinheads, retour des nazis. Arrêtez de faire les mecs. Voilà, vous voyez pas que Nasser, il se sert de vous. Nasser a rien, il se sert de vous, frère. On dirait le zoo. Les bourgeois, ils sont assis, ils se foutent de votre gueule. Vous êtes là, ouais, Paris, Paris. Tout le monde s'en bat les couilles de votre vie. Là-bas, c'était pas Paris. Là-bas, c'était Paris Hilton. Hier, c'est Paris Hilton que j'ai vu. Des mecs tout nus, des grosses faux folles, la Gay Pride, frère, la vie de ma mère. Je suis désolé, les amis. Voilà, je suis désolé. Donc, force à nous, les Marseillais. Voilà, c'est plus qu'un point. C'est la vie de ma mère, c'est un coup de poing qu'on ramène de là-bas. La vie de ma mère, on leur a mis des points de suture dans les fesses. Je suis trop content. Je suis trop heureux. Ils pourront plus nous narguer. Voilà, ils sont là, l'OM, c'est des chèvres. Vos grands-mères, les chevreuils. Voilà, vos grands-mères, les chevreuils qui n'ont qu'un œil. Voilà, ne parlez plus des Marseillais. Ne parlez plus des Marseillais. Quand vous ne faites pas mieux, même pas que vous faites mieux, vous faites rien du tout. 560 millions d'euros, vous permettez, frère, de faire match nul devant vos supporters pendant un classico. Vous êtes sérieux, frère? Nous, encore, on a l'extérieur, on est content, on revient avec un point. Mais vous, frère, voilà, c'est la teon, frère. Ne dites pas que vous avez une ambition de Ligue des Champions quand vous avez des joueurs de Coupe de la Ligue.
Arrêtez, frère Ilou, Mathieu Di Charo, la vie de ma mère avec sa danse, Mathieu Di Charlo, voilà, c'est plus Mathieu Di, les amis, c'est Mathieu disparu sur la vie de ma mère, Blaise Mathieu Di, baise Mathieu Di, sur la vie de ma mère, une baise à lui tout seul, le mec toute l'année il danse, il est dans les clips, il est là, ta grand-mère le clip qui met des slips, je suis désolé, tout le temps on te voit danser, pire qu'une majorette le type, et tu te retrouves à la dernière minute avec un ballon dans la surface, tu fais quoi ta grand-mère? Tu fais rien du tout, voilà que tu fais rien du tout, tu perds la face, voilà ce que tu fais dans la surface, je suis désolé moi, je suis désolé. Tout le temps le PSG a vanté des joueurs, frère, des joueurs, que ça y est mon pote. Di Maria, sur la vie de ma mère, c'est Di Marant, voilà qu'il est marrant. Les gens ils me parlent de Di Maria, je veux bien frère, il a pas marqué en Ligue 1 depuis le mois d'avril. Et sur la vie de ma mère, c'est pas un poisson d'avril les amis, c'est pas un poisson d'octobre, rien du tout. Je suis désolé frère, depuis avril il l'a pas marqué et le mec il est là, il chauffe jamais le banc. Moi je comprends pas. La vie de ma mère, je comprends pas. L'autre là, Krikrovac, oh, le mec c'est une boîte de chips, boîte de chips. Ils prennent des joueurs 100 millions et les font pas jouer. Faut m'expliquer, faut m'expliquer. Mais après faut pas se plaindre. Donc voilà les amis, gros 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 big up à tous les Marseillais qui sont là depuis des années, on se prend des défaites alors que c'est nous on domine le match. À chaque fois avec Gignac, il est là, doublé de Gignac, Gignac qui marque. On était là même tout le temps, tous les ans, on est à ça de gagner et à la fin on perd espoir. Et moi je vous dis la différence, pourquoi on n'a pas perdu ce match, voilà, là c'est grâce à Monsieur Tapin, Monsieur Turpin, pardon, excusez-moi pour le lapsus, Monsieur Turpin, à chaque fois c'est la même chose pendant les Clasico, le PSG il gagne grâce à un penalty sifflé par Monsieur Turpin. Il y a eu une action, il y a eu une action litigieuse en première mi-temps. Cavani s'est cru, c'est pas la vie de ma mère, oh, le mec s'est cru au plongeoir à la piscine, il t'a fait un saut frère avant même que Rolando il le touche. Donc voilà, Cavani fait le faux de plongée, vos grands-mères les plongeoirs, ça fait plaisir les amis. Pour une fois l'arbitre a pas sifflé un penalty contre l'OM, ça fait plaisir frère. En parlant de Rolando, oh c'est plus Rolando, c'est Orlando, la vie de ma mère, hein. Une équipe de NBA tout seul, je l'ai pas compris hier, il s'est transformé, Vegeta frère, ta grand-mère c'est Vegeta qui mange des végétaux, je suis désolé, tu fais plaisir, Rolando, tu t'es transformé en Ronaldo hier, ce qu'on attendait de toi, tous les joueurs je les ai pas reconnus frère, Sakai, la vie de ma mère, il est passé de Sacrin à ça fait plaisir, voilà, ça fait plaisir, hier ça caillait, pourtant il y avait Sakai, merci mon frère, voilà, t'as été présent, président même, t'as été tout ce que tu veux mon frère, tout ce que tu veux pour le coup, donc voilà, ce classique. Les amis, on a tenu bon. On revient avec le match nul. C'est un match nul pour eux, mais pour nous, c'est un match incroyable. La vérité, moi je vous dis la vérité, je suis trop content. Hier, c'est comme si j'avais gagné, je sais pas, moi, c'est comme si on avait gagné l'euro. Je suis désolé, frère, vos grands-mères qui payent en francs et qui ne sont pas franches.